Salut, c'est Crass, Crass Lagerfeld. Je suis une icône de la mode. Les gens adorent mes créations. Mes idées fusent comme le sperme d'un taureau en rut. Rien ne m'habille. Regardez, j'ai trouvé ça derrière chez moi dans une poubelle. Il y a même l'odeur, j'adore. Tenez, si j'ai besoin d'un col de chemise, bien sûr, un col pour aller autour du cou, non pas le col pour les yeux. Je prends un journal et je le mets sur mon cou. Et voilà, c'est fabuleux. Si j'ai besoin aussi d'une chemise, eh bien, que dis-je, d'une chemise, d'une cravate, eh bien, j'en ai pas besoin de chemise, toi seul. Je prends un morceau de journal, et là, je le mets comme ça. C'est fabuleux. Ça fait même bavoir, comme ça, quand que je mange, eh bien, tous les aliments viennent se déposer là-dessus. C'est fabuleux. Figurez-vous que dernièrement, j'ai fait un défilé dans un terrain tout miteux. Il y avait plein de voitures toutes cassées, de machines à laver, de petites cabanes. C'était merveilleux. La presse a détesté. Les clientes se sont évanouies. Je ne comprends pas, parce qu'à côté, il y avait juste une ferme avec des porcs et de grandes fosses à purin. Malgré l'odeur, ben moi, j'ai aimé tout ça, toute cette ambiance. Oh, excusez-moi, téléphone. Oh, mon Dieu, ils viennent de trouver ma choupinette qui errait dans un terrain vogue. La pauvre, elle est toute mouillée, elle a froid, elle a peur. Il faut que j'aille vite la récupérer. Oh, j'adore ces amraphones. Figurez-vous que je l'ai volée dans une station-service. Un vrai bijou de concentré de technologie. Oh, il faut que j'y aille. Où sont mes lunettes? Je ne trouve pas mes lunettes. Mon Dieu. Oh, bougez pas. Je vois un aveugle qui passe. Et voilà. Un bon coup sur la nuque et j'ai récupéré ses lunettes. De toute façon, il ne voit pas, le pauvre. Allez, il faut que j'y aille. Guten Tag.